Et donc, il certainement interviendra tout de suite. Alors, juste à titre indicatif et dans l'ordre, donc je vais faire un mot de bienvenue. Serachi Tari prendra la parole en tant que président de GIAC Translog. Et après, par la suite, ça sera à vous la parole pour que vous puissiez expliciter ces contrats-là. Je n'ai pas de souci. À votre disposition. Merci beaucoup. Merci à Simulia. Monsieur le Président, avec plaisir de vous voir. Bonjour, cher ami. Comment ça va? Très bien, ravi. On démarre dans une minute. Il est OK. 17h31 à 32, on démarre. Ça marche. Salut, Président. Bonjour, c'est Mohamed. Ça va? Ça va bien? Donc, il y a un peu de soleil. On essaye. Parfait. Je pense qu'on va démarrer, mesdames et messieurs. Je pense qu'il est le temps imparti pour démarrer notre conférence en ligne relative à la convention qui a été signée entre Tijara et GIAC Translog, représentée par son président, Monsieur Rachid Tari. Convention qui porte sur les contrats spéciaux de formation et leurs avantages et qui seront explicités par un expert qui est Mohamed Karawan. Je tiens à remercier vivement toutes les personnes présentes, connectées avec nous, pour suivre cet échange organisé par la Commission Capital Humain de Tijara. Et cette initiative, elle rentre dans le cadre des actions d'information et de sensibilisation qui sont élaborées et constituées dans l'objectif de doter les entreprises membres de Tijara d'outils et de mécanismes utiles à leur bonne gouvernance et performance. Je ne m'étalerai pas sur les enjeux du capital humain et de la formation pour un secteur phare qui est le commerce et la distribution. D'ailleurs, la Fédération a organisé plusieurs manifestations et rencontres et a signé plusieurs conventions afin de contribuer à la valorisation et à la performance des ressources humaines du secteur. À l'issue de l'intervention de M. Rachid Tari, président de GIAC Translog, suivra bien sûr, et après les explicitations, excusez-moi, de l'expert qui nous accompagne, une série de questions-réponses pour une séance globalement d'une heure. Sans trop tarder, à toi la parole, Serachit Tari, avec mes plus vifs remerciements d'avoir bien voulu être avec nous et aussi d'être présent pour animer cette conférence. Soyez les bienvenus. À vous la parole, Serachit. Oui, rebonjour tout le monde. Merci à vous pour cette invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous en tant que président du GIAC Translog. Donc, juste le GIAC Translog, c'est le groupement interprofessionnel d'aide-conseil de transport et logistique. Donc, quand on parle de transport et logistique, c'est très large. Et c'est pour ça qu'effectivement, notre convention rappelle bien ces éléments, puisque nous sommes au service des entreprises qui sont concernées de près ou de loin de la partie logistique et transport. Donc, le Tijara 2020 est un acteur important dans la chaîne logistique. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous. Juste pour un petit rappel, parce que Monsieur Karawan, qui est notre expert et le directeur du GIAC, qui maîtrise largement mieux que moi toute la partie technique, mais même si on parlera du technique aujourd'hui, mais ça sera plus sommairement, puisque nous aurons d'autres réunions, et je profite de cette occasion pour
pour justement vous informer que nous serons très heureux d'animer d'autres réunions pour justement pour vos ressources humaines qui seront plus amenées à gérer les dossiers de vos membres. Donc je voudrais vous remercier le président qui nous a donné cette occasion grâce à cette convention. Je suis très content parce que ça nous permet aussi d'élargir puisque nous sommes sur un certain nombre d'activités de logistique et transport et il nous manquait ce maillon important au niveau du GR Translog parce que nous touchons déjà certaines entreprises membres de votre fédération qui font appel à nos services par rapport à leur ingénierie, par rapport à leur analyse stratégique, des entreprises individuellement qui font appel à nous. Et Tijara 2020, avec cette convention, permettra à tous les membres de bénéficier de ces actions que nous menons depuis depuis 2006. Et nous avons élargi grâce au travail de toute l'équipe. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 500 membres au niveau du GIAC. Toutes catégories confondues, transport routier, transport routier de marchandises, transport routier de voyageurs, transport international de marchandises et de voyageurs. Nous sommes sur les entreprises qui font aussi du commerce. Nous sommes sur des entreprises qui font aussi de l'entreposage. Et donc, nous touchons vraiment toutes les parties qui sont, ou toutes les entreprises qui sont de près ou de loin interpellées par la partie logistique ou je dirais la supply chain dans sa globalité. Donc, ce qui est important de signaler, c'est qu'aujourd'hui nous avons avec le GIAC, nous avons travaillé sur un grand programme dans une première édition et j'espère que vous feriez partie de la deuxième édition puisque la première édition avec le ministère de transport, de la logistique, le ministère des finances, l'AMDL sur ce qu'on appelle PMLogis qui était pour nous, c'est une fierté. Nous avons fait une première édition avec un budget qui avoisine les 63 millions de dirhams au profit des entreprises, qu'ils soient chargeurs ou qu'ils soient prestataires de services, pour les accompagner dans leur développement. Donc, quelques produits qu'il va citer M. Karawan, à savoir, on va dire, à partir de la performance organisationnelle jusqu'à toute la partie stratégique, en passant par, bien sûr, par tout ce qui est dématérialisation, digitalisation de la supply chain. Donc, je vous remercie encore une fois. Ça fait plaisir de vous compter parmi nous comme clients, mais effectivement vous serez nos clients puisque nous allons faire le maximum pour vous satisfaire. Ça serait aussi bien que moi ce que je propose c'est qu'aussi Tijara 2020 en tant que fédération puisse éventuellement avec le personnel permanent, qu'ils puissent aussi comprendre le principe et peut-être apporter une assistance aux entreprises affiliées à Tijara 2020. Nous avons fait avec d'autres associations qui, eux, prennent en charge toute la partie, je dirais, administrative du dossier. Et ça facilite, parce que c'est vrai, je vous dis franchement, c'est une partie administrative qui est assez lourde pour les entreprises. Et,
Et souvent, on ne comprend pas beaucoup pourquoi tel document. Nous, de notre côté, nous avons essayé de dématérialiser certains documents, mais nous sommes encore à notre début par rapport à ça. Mais effectivement, il y a certains documents qui sont qui sont pas faciles on va dire, à préparer. C'est pour ça que aussi, s'il y a si vous avez des gens, des permanents qui peuvent aussi accompagner les entreprises, nous serons ravis de leur donner la possibilité de les former sur cette partie-là, pour qu'ils puissent gérer ce dossier. Je profite de cette occasion aussi pour vous dire que nous avons, grâce au travail qui a été fait au niveau de la Fédération de Transport de la Logistique, nous avons aussi signé. Dans le cadre du MCC, nous avons signé aussi un partenariat par lequel nous sommes en train de construire un grand établissement de formation de transport et logistique. Et nous serons ravis aussi, éventuellement dans le futur, de voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer pour que, éventuellement, ajouter, nous avons déjà un certain nombre de filières. Qui vont être dispensés au niveau de au niveau de cet établissement. Et nous serons ravis de voir éventuellement de développer avec vous des filières, comme nous l'avons fait avec d'autres associations, à savoir l'association des transitaires, l'association des commissionnaires de transport, l'association des transporteurs et l'association des prestataires logistiques. Éventuellement de développer d'autres filières, éventuellement, qui répondront à vos besoins. Parce que j'avais compris aussi lors de la réunion avec Monsieur le ministre qu'il y avait une nécessité d'accompagner et de développer des ressources humaines compétentes au niveau j'ai apprécié parce que vous parlez depuis l'épicerie bien sûr, jusqu'à l'hypermarché. Et ça, effectivement, il y a du travail à faire. Et effectivement, nous serons heureux aussi et contents de pouvoir vous accompagner dans ce développement. Voilà. Merci. Je vais céder la parole à Simonier. Et merci encore une fois. Merci. Merci, c'est Rachid. Ça nous fait plaisir et honneur de vous soyez avec nous, de nous éclairer par ces précisions et d'exprimer votre volonté d'être partenaire indéfectible à la Fédération. Et maintenant, la parole est à votre expert, M. Karawani, et je le remercie aussi vivement de sa présence. À vous, la parole. Merci, Simonir. À mon tour de vous remercier, de remercier la Fédération Tijara 2020 qui a bien voulu, bien sûr, nous offrir cette opportunité. Opportunité au cours de laquelle on va apporter quelques éclairages, principalement sur certaines thématiques. Éclairage sur c'est quoi le GIAC, le pourquoi de la Convention aussi, et quelles sont, je dirais, les différentes possibilités ou, je dirais, opportunités qui peuvent s'offrir éventuellement pour la Fédération Tijara 2020. Pour éventuellement, je dirais, rehausser le niveau, je dirais, de compétences des ressources humaines de l'ensemble des entreprises adhérentes, bien sûr, à la fédération, mais aussi zoomer sur certains aspects liés à la restructuration, bien sûr, de l'entreprise elle-même aussi, à travers, bien sûr, que ce soit des produits, des services, du conseil, et j'en passe. J'ai retenu avec attention, bien sûr, ce qui a été dit par Serachi Tari, notre président. Sur les différents aspects liés principalement, je dirais, sur les différents projets. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est la première rencontre, une rencontre que moi, personnellement, j'ai essayé de faire une petite présentation, je dirais, un petit peu planter le décor, parce que j'ai bien saisi ce qui a été dit par Cetari. Ce n'est pas une rencontre au cours de laquelle on va présenter l'ensemble, je dirais, des composantes avec quelques questions qui vont être posées. Mais j'ai bien retenu qu'il s'agit d'une série de rencontres au cours desquelles on va essayer que sur chaque rencontre, on va essayer de zoomer sur un pavé, je dirais, de projets qu'on pourra éventuellement développer ensemble, travailler sur. Je pense que je ne vais pas tarder beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'enchaîne rapidement sur la présentation parce que sur la présentation, on va essayer quand même
vous expliquer ce qu'est le GIAC, je dirais au-delà des, du travail classique, parce que certaines entreprises présentes aujourd'hui au niveau du webinaire connaissent très bien le GIAC. Mais d'autres, bien sûr, ils connaissent le GIAC à travers, bien sûr, leur dépôt de certains dossiers. Mais d'autres, bien sûr, ignorent, alors que d'autres ignorent certains produits qu'on est en train, parce qu'on est sorti aujourd'hui de cette logique conseil et formation vers d'autres produits, et je ne vais pas anticiper. Donc, j'enchaîne rapidement sur la présentation. Donc, comme vous le savez, pour certains qui n'ont pas assisté à la cérémonie, bien sûr, de la signature, il y a eu, bien sûr, signature d'une convention avec un objectif phare qui est l'accompagnement des acteurs du secteur du commerce et de la distribution dans les différents chantiers liés, bien sûr, à la mise à niveau, le développement, la compétitivité, le renforcement des compétences, et j'en passe. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Je voudrais un petit peu zoomer sur la taxe de la formation professionnelle pour certains qui ne le connaissent pas, qui payent bien sûr la TFP, la taxe de la formation professionnelle, au niveau de leur déclaration de la CNSS, 1,6% de la masse salariale, 70% de sa taxe part pour le financement de la formation initiale et 30% de sa taxe part pour le financement de ce qu'on appelle grosso modo la formation en cours d'emploi. C'est quoi la formation en cours d'emploi? Tout simplement, c'est du conseil, c'est pour financer le conseil et les études, et en parallèle, bien sûr, les actions de formation. Qui finance le conseil et les études? C'est les GIAC, les groupements interprofessionnels des deux conseils. Donc, nous sommes régis, bien sûr, les GIAC qui sont créés par un décret, le décret qui a institué, bien sûr, la taxe de la formation professionnelle, tel qu'il a été modifié et complété, bien sûr, en 1996 et 2002. Donc, il y a eu deux modifications du décret. Et bien sûr, en 1996, il y a eu la création du premier GIAC, qui est le GIAC 1. Certains le connaissent, le GIAC 1, qui est le GIAC Industrie. Donc, nous, on a été créé, bien sûr, en décembre 2005, opérationnel 2006. Donc, notre objectif, pour faire court et simple, c'est l'information, la sensibilisation des entreprises sur l'importance de la formation continue. Ça, c'est notre premier volet. Accompagner les entreprises dans toutes les procédures administratives et j'en passe. Et troisièmement, financer, bien sûr, deux sortes d'études qui sont l'analyse stratégique, individuelle et sectorielle, on reviendra tout à l'heure, et financer les ingénieries de formation qui sont le diagnostic, bien sûr, des besoins de formation. On reviendra sur cette terminologie parce que autant on en parle de ces concepts, autant je voulais les définir pour que tout le monde puisse se retrouver. En parallèle, bien sûr, à ce mécanisme qui est le financement du conseil et des études, ce qu'on appelle les mécanismes de planification stratégique opérationnelle, il y a ce qu'on appelle un mécanisme de financement des actions de formation qui sont les contrats spéciaux de formation. Et pour faire court, le financement des actions de formation, que ce soit planifié, non planifié, alphabétisation fonctionnelle ou formation groupée. Donc voilà donc, en gros, les fameuses 30%, ils partent pour le financement de ces deux mécanismes. Un mécanisme qui est le GIAC et le deuxième mécanisme, c'est les contrats spéciaux de formation. Bien sûr, je l'ai précisé, les GIAC, c'est qui? C'est des associations à but non lucratif. Donc, aujourd'hui, nous avons 610 adhérents, donc c'est des SACI qui sont arrêtés en décembre 2021. On finance pratiquement entre 10 à 14 millions de dirhams de budget annuel pour financer les études qui sont déposées, bien sûr, par les entreprises, bien sûr, tout en respectant, bien sûr, une procédure dépôt de dossier administratif et dossier financier, bien sûr, avec les livrables qui vont être réalisés, que ce soit par des organismes de conseil de formation, quand il s'agit des études réalisées par en externe, ou bien des études qui sont réalisées par les compétences internes. Là, on est sur ce qu'on appelle l'approbation de l'étude. Donc, les missions sont claires, sensibiliser, orienter, accompagner, financer. Donc, voilà, donc, et le GIAC, dont la notion classique, on est présent sur avant la formation. Ça veut dire le GIAC, il intervient avant la formation. En termes d'information, de sensibilisation, donc on est là pour sensibiliser les entreprises. On intervient dans le conseil stratégique, donc tout ce qui est étude pour la définition des orientations stratégiques, et bien sûr un plan de déploiement ou un plan bien sûr de mise à niveau, de mise en place de la stratégie avec les objectifs opérationnels et bien sûr le plan de déploiement.
Et bien sûr, le troisième pavé qui est les ingénieurs de formation qui sont tout court le diagnostic des besoins en formation de l'ensemble des ressources humaines avec bien sûr la définition d'un plan de formation. Donc voilà, donc normalement, ça c'est notre travail classique. Aujourd'hui, je prends le cas du GIEC Translog, nous ne sommes plus sur ces trois missions, donc on s'est orienté vers d'autres, bien sûr, d'autres produits, ce qu'on appelle les opérations de formation continue, et je reviendrai tout à l'heure pour dire qu'aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle les formations adaptation, donc tout ce qui est formation, adaptation, reconversion, acquisition de nouvelles qualifications, des formations pour les non-salariés, donc je citerai certains exemples sur lesquels on a travaillé avec principalement la BEUR. Le bilan de compétences à travail qu'on a réalisé, parce que vous allez le constater qu'on a très bien avancé sur la définition des référentiels compétences, et qui dit référentiel compétences va servir pour faire ce qu'on appelle les bilans de compétences, qui est bien sûr un bilan individuel par métier. Validation des acquis de l'expérience professionnelle, ça c'est un grand chantier qu'on a démarré récemment au niveau de notre Fédération Transport et Logistique. Bien sûr, et ça, on ne peut pas démarrer si on n'a pas des répertoires emploi métier, des référentiels compétences, chose qu'on a aujourd'hui sur certains métiers, pour ne pas dire la totalité. Et on voulait expérimenter cette validation des acquis d'expérience, bien sûr. Donc, on reviendra sur ce chantier aussi. Et bien sûr, les programmes spéciaux de formation proposés par l'administration. Je cite à titre d'exemple l'AMDL, parce qu'on a un ensemble de produits de formation, l'éco-conduite, CARIST, ADR, ATP, préparateur de commande, ça c'est des formations qui sont financées à 100% et qui sont bien sûr proposées par des administrations. Aujourd'hui, l'administration, c'est l'AMD. Le dernier pavé, c'est ce qu'on appelle l'évaluation de l'impact des actions de formation. Ça, c'est un pavé qui est très important aussi et sur lequel aujourd'hui, à travers, bien sûr, parce qu'on était sur un projet qui s'appelle PMologis et sur lequel on a pratiquement bouclé la convention 2017-2021 et aujourd'hui, on est sur une étude d'évaluation de l'impact des actions de formation sur le développement, je dirais, de la compétence des entreprises, mais aussi la compétitivité des entreprises en termes de développement de compétences. Voilà, donc en gros, ça c'est un schéma qui retrace, je dirais, le parcours du GIEC. On a été créé, comme je l'ai précisé, en 2005, opérationnel en 2006. Je cite juste quelques exemples. En 2017, on a lancé, la signature de la convention du programme de mise à niveau logistique avec la MDL, le ministère des Finances et bien sûr le ministère du Transport, et bien sûr la CGM et la Fédération de Transport et Logistique, avec bien sûr le GIEC en tant que bailleur et secrétaire bien sûr général du programme. En 2018, il y a eu l'appel à candidature pour le choix de certains projets, en l'occurrence la création des instituts de formation qui seront pilotés bien sûr par les professionnels, en l'occurrence les associations des fédérations professionnelles. Le GIEC, il était, je dirais, partie prenante de ce projet-là. Donc, on a déposé, comme toutes les fédérations et les associations, et on a été retenu parmi les 120 projets qui ont été déposés. 15 projets ont été retenus. L'Institut de formation dans les métiers de transport et de la logistique en cours de construction au niveau de Noassa est l'un des 15 projets qui ont été retenus. Sur les 15 projets, 7 projets reviennent bien sûr à l'Office de la formation professionnelle et de la promotion au travail. Et 8 projets, bien sûr, pour le privé. Sur les 8 projets, notre projet figure, bien sûr. Le GIEC, bien sûr, il est sur ce projet, d'ailleurs, sur la société de gestion. Il fait partie du conseil, d'ailleurs, c'est Paris, c'est un administrateur de la société. Et moi, je suis le chef de projet de la construction de l'Institut de formation dans le métier de transport et de la logistique, sur toutes les étapes, aussi bien l'assistance technique pour la définition des programmes de formation, l'achat des équipements, l'architecture et la construction, bien sûr, et bien sûr, toute la procédure, bien sûr, de recrutement, toutes les étapes nécessaires avant, bien sûr, le lancement officiel des formations, bien sûr, Inch'Allah, vous serez parmi nous, Inch'Allah, en octobre 2022. 2019, il y a eu la première expérience, bien sûr, avec des bailleurs de fonds étrangers, en l'occurrence la BEUR et l'Union européenne,
sur un projet qu'on appelle LogisMedSoft, sur lequel le GIAC s'est repositionné encore une fois pour donner son assistance sur son expertise derrière des actions de formation dont on reviendra tout à l'heure. 2019, il y a eu, nous sommes devenus, donc le GIAC, il est devenu le Centre national de certification selon nos standards de l'Association européenne de la logistique, je reviendrai tout à l'heure. Et en 2020, bien sûr, on a adhéré à la Fédération de l'enseignement privé, qui est CGM, dont moi personnellement je suis vice-président et président de la commission formation continue. Bien sûr, en 2020, on a commencé avec GIZ une première expérience de ce qu'on appelle la formation professionnelle au milieu de travail, à l'image de ce qui se passe en Allemagne, ce qu'ils appellent en Allemagne la formation dual, avec une partie du programme de formation qui est assurée à l'intérieur, bien sûr, de l'établissement de formation, mais une partie du programme de formation qui est animée par un tuteur à l'intérieur de l'entreprise. Il a fallu, pour faire réussir cette expérience, créer ce qu'on appelle une structure d'appui qui est là pour appuyer les entreprises, faire le choix, contractualiser et bien sûr accompagner les entreprises. Le GIAC a pris ce rôle-là et donc aujourd'hui, nous sommes la première structure d'appui à la formation professionnelle au milieu de travail sectoriel au Maroc, bien sûr. Donc, il y aura d'autres secteurs qui vont bien sûr suivre, mais aujourd'hui, on est en train de finaliser avec GIZ, je dirais, l'ensemble du business model de la structure d'appui avant, bien sûr, l'adoption par d'autres secteurs. En 2021, bien sûr, donc, il y a eu le fameux projet Access, donc avec l'USAID, l'UNID et l'OFPT, dans lequel on a apporté notre expertise. Il s'agit de la création d'une académie, je dirais, de formation des conducteurs, éco-conduite principalement. Et bien sûr, récemment, on a signé encore une convention de pilotage des actions de formation financées à 100% par l'USAID. Et bien sûr, donc, comme vous le savez, donc, Tijara, c'est une nouvelle convention qu'on a signée. Donc, je rappelle pour ceux, pour l'ensemble des adhérents, je peux dire que nous avons des conventions, mais une convention avec Tijara, pour nous, ça, il a une grande importance, vu que vous constituez un maillon qui est très important dans la chaîne logistique, bien sûr. Donc, rapidement, parce que l'intitulé, je dirais, de la thématique d'aujourd'hui, c'est les contrats spéciaux de formation. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, le contrat, c'est juste un pavé. Le deuxième pavé, c'est les GIAC. Donc, aujourd'hui, moi, j'emprunte la formule, bien sûr, correcte, qui est la formation en cours d'emploi qui regroupe les GIAC et les CSM. Et sur lesquels, je vous propose qu'on tiendra une deuxième rencontre sur lesquelles je reviendrai sur ces composantes-là. L'éligibilité au contrat spéciaux de formation, parce que c'est un jargon qui revient souvent. Est-ce que je suis éligible? Est-ce que je peux bénéficier des contrats spéciaux de formation? Les taux, les plafonds de remboursement, combien, à quel taux je serai remboursé? Pourquoi je ne suis pas remboursé? Oui, mais je voudrais faire une ingénierie. Qu'en est-il des dossiers GIAC, dossiers administratifs, dossiers techniques, dossiers financiers? Qu'est-ce qu'on entend par ces dossiers-là? Quel est le contenu? Donc voilà, on verra ça. Les délais qu'on doit respecter, quel délai pour déposer l'ingénierie de formation, quel délai pour déposer l'analyse stratégique, idem pour les contrats, je veux faire une formation planifiée, quelles sont les étapes, le dossier administratif, comment faire, là où je dois déposer, le dossier technique, tout ça, le remboursement, quand est-ce. Donc, tout ça, et bien sûr, terminer avec, bien sûr, les obligations. Donc, oui, c'est bien de faire tout ça, mais attention, l'entreprise, il est tenu par ce qu'on appelle des obligations, que ce soit en termes d'obligations d'affichage du plan de formation, obligations, je dirais, d'archivage des documents, et j'en passe. Et bien sûr, attention, il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle le contrôle de l'exécution des actions de formation. Donc, certainement, il y aura un cabinet qui est mandaté par le département de la formation professionnelle qui va atterrir, je dirais, dans les dates que vous avez mises à l'intérieur, bien sûr, de votre plan de formation et qui pourra, à n'importe quel moment, venir contrôler est-ce que la formation existe déjà, est-ce que ce que vous avez, le thème que vous avez, bien sûr, mis dans le formulaire d'identification de l'accès en formation, c'est vraiment le thème, l'objet de l'animation, bien sûr, de l'expert. Je dirais tout ça, on le verra en détail, je préfère sur une autre rencontre, parce que je sais qu'aujourd'hui l'idée c'est de vous donner une idée globale sur le GIAC,
sur les projets qu'on pourra, sur lesquels on pourra travailler ensemble, et faire un zoom spécialement GIAC-CSR sur une autre rencontre, et sur lesquels je terminerai la dite rencontre avec des points de vigilance. Pourquoi ? Parce qu'on va souvent entendre des entreprises qui ne sont pas payées pour des raisons ou pour une autre. Donc, je reviendrai sur les points que l'entreprise devra, bien sûr, prendre en considération pour qu'il puisse être payé dans de bonnes conditions. J'ajoute un point qui est très important, je dirais, pour les entreprises présentes aujourd'hui, c'est que moi, je suis aujourd'hui dans le comité régional des contrats spéciaux de formation en tant que représentant de la CGR. Et je peux vous assurer que c'est un comité qui est très important. Ça fait des années que je suis en train de courir pour être dans ce comité. Pourquoi ? Pour la simple raison, c'est ce comité-là, c'est lui qui statue sur les recours des entreprises. Et je dirais que ce comité régional, j'ai souvent entendu que certaines entreprises ne sont pas payées pour des raisons, il y a des rejets, il y a un non-traitement, il y a un retard au niveau de l'OPPT. Et je pense que c'est au niveau de ce comité qu'il faut s'adresser avec des recours. Donc, ce comité-là, il traite, il pose des questions à l'OPPT, pourquoi vous avez payé, sur lequel, et il peut statuer, je dis bien, il peut statuer sur des décisions qui ont été prises par l'OFPPD. Ça veut dire, parce que c'est un comité qui est constitué quand même par le département de la formation professionnelle, le ministère de l'Industrie, les représentants, bien sûr, des syndicats, et bien sûr, les représentants de la CGM, et au niveau duquel on traite ces recours-là, et bien sûr, trouver des solutions, bien sûr, à l'ensemble des questions ou des problèmes qui ont été posés. Voilà, je pense que sur ce pavé-là, je préfère programmer une autre rencontre sur laquelle on reviendra en détail. N'empêche qu'on va aujourd'hui parler des concepts qu'on entend, c'est quoi l'analyse stratégique, parce que les GIEC, c'est l'analyse. Ça veut dire, bon, c'est une étude qui est réalisée généralement par des organismes externes. Pourquoi l'œil externe est très important? L'objet de cette analyse, c'est comme vous faites, bien sûr, des analyses individuelles, donc automatiquement, l'entreprise... à un instant T, devra faire elle aussi des analyses. Analyse de quoi ? On va analyser l'environnement de l'entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Donc, bien sûr, l'analyse en interne, on va zoomer sur l'ensemble des fonctions, des processus, et bien sûr, sortir de la data. La data sur les trois dernières années, pour certains cabinets, ils peuvent aller même sur les cinq dernières années, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, les indicateurs financiers, des indicateurs... bien sûr, sur technique, l'infrastructure. Donc, on fait une rotation à 360 degrés sur l'entreprise elle-même et bien sûr, voir l'extérieur. Donc, les concurrents, faire un benchmark à l'international, voir comment ça fonctionne, l'écosystème dans lequel opère l'entreprise. Et bien sûr, dans l'objectif de proposer ce qu'on appelle des scénarios stratégiques. Tel scénario stratégique, bien sûr, sur une réunion, vont aboutir à des orientations stratégiques, bien sûr, qui seront définies, choisies en fonction, bien sûr, des avantages et des inconvénients des différents scénarios. Et après, bien sûr, rebondir sur des objectifs stratégiques qui vont être chiffrés, augmentation de 5 % ou 6 %. Donc là, on sera sur le chiffrage et on ne sera pas sur des projections. Donc, et bien sûr, planifier, parce que quand on a derrière une stratégie, quand on sait, quand on trace l'itinéraire, bien sûr, on est obligé d'adapter, bien sûr, les ressources humaines. Bien sûr, ça nécessite... Peut-être un redéploiement du personnel, des formations, je dirais, sur certaines compétences qui n'existaient pas hier, parce que l'entreprise, peut-être, il va s'ouvrir sur le marché américain, donc ça nécessite peut-être une formation sur les langues, peut-être sur la communication, peut-être sur la prise de parole, et j'en passe, donc sur l'aspect commercial. Donc, il faut qu'il y ait quand même des formations d'adaptation qui vont, bien sûr, accompagner l'étude. C'est ça ce qu'on appelle l'analyse stratégique. C'est que, voilà, cette étude-là, il est financé aujourd'hui par le GIAC à la hauteur de 70 %, donc plafonné à 100 000 dirhams. Ça veut dire si une entreprise il dépose cette étude à 100 000 dirhams, bien sûr, il y a des critères qu'on devra respecter. Il est financé à 70 %. Il s'agit d'un remboursement. Voilà. L'ingénierie de formation, parce que ça, c'est deux concepts qui sont, bien sûr, c'est quoi l'ingénierie? C'est tout simplement, on a fait diagnostic
bien sûr, de l'entreprise, là, on est sur la structure, c'est l'analyse, à diagnostic des ressources humaines de l'entreprise, c'est l'ingénieur de formation. Donc, c'est pratiquement la même chose, mais bien sûr, donc là, on est sur une personne morale, là, c'est une personne physique, bien sûr. Et définir l'objectif, c'est de définir les objectifs d'évolution, les comportements professionnels attendus. Donc, il y a ce qu'on appelle l'écart entre le prérequis et l'acquis, donc en termes d'acquisition de compétences. Donc, parce qu'à un instant T, il y a un expert qui arrive et qui va dire, bon, moi, je suis directeur administratif et financier, quel est le prérequis pour être un directeur? Voilà le prérequis, bien sûr, en fonction des référentiels bien sûr établi par la profession et bien sûr à travers l'entretien voir éventuellement est-ce qu'il y a un gap ou pas éventuellement, donc ça c'est le premier ce qu'on appelle le bilan de compétences individuelles et après donc aller vers d'autres besoins en formation liés bien sûr aux orientations stratégiques qu'on a définies parce que demain on va être sur le marché américain, aller vers d'autres besoins en formation liés, bien sûr, à ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois de compétences, les besoins en formation issus de ce qu'on appelle les besoins individuels, parfois, donc des besoins en formation issus des différents départements en termes de, je dirais, de mutualisation ou pour que les chefs de département puissent travailler avec une certaine agilité, surtout sur la période de congé. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va remplacer, je dirais, les Samira qui est parti en congé. On ne va pas fermer la boutique parce que Samira n'est pas là. Donc, en fait, il y a beaucoup de besoins en formation. Donc, l'objectif, c'est, je dirais, améliorer les compétences et augmenter. Donc, tout ça, dans l'ingénierie de formation, donc l'agent, bien sûr, le cabinet de conseil, il est là pour travailler sur l'ensemble des besoins et bien sûr convertir ces besoins en formation, en objectif pédagogique. Ça veut dire quelle formation devra être dispensée pour que l'individu puisse acquérir la compétence nécessaire, bien sûr, et souhaitée. Et bien sûr, il doit terminer avec un tableau de bord, avec des indicateurs pour qu'on puisse mesurer l'impact de telle formation. Est-ce que vraiment il y a eu un impact? Parce que qui dit formation dit un investissement, parce que c'est un investissement, je dirais, en termes de temps, en termes d'argent. Et donc, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Voilà, donc, cette étude-là, il est financé à la hauteur de 70%, bien sûr, plafonné à 100 000 dirhams, comme c'est le cas de l'analyse stratégique. Mais il y a, je dirais, un taux spécial qui est 80% en cas que le jour où l'entreprise fait une analyse, d'abord une analyse stratégique et revendue vers une ingénierie de formation, là, il pourra avoir 70% de l'analyse et 80% en termes d'ingénierie de formation. Ça, c'est ce qu'on appelle les formations à l'initiative des entreprises. Il y a ce qu'on appelle les études d'ingénierie de formation, bien sûr, à l'initiative de la branche professionnelle. Et là, on est sur l'association, je dirais, demain, peut-être, on va rebondir sur une étude de la branche commerce et distribution. Et donc, là, on va travailler sur l'analyse, d'abord l'analyse stratégique sectorielle. L'objectif sur cette analyse qui est financée, bien sûr, à la hauteur d'un million de dirhams. Donc, on n'est plus sur les 100 000 dirhams, on est sur un million de dirhams TTC. Et il est financé à 100%. Cette étude stratégique de la branche professionnelle ou des secteurs professionnels d'une manière générale, l'objectif, c'est d'avoir un rapport de diagnostic de la branche. Ça veut dire un état des lieux analytique des activités, des capacités, du marché, donc un instant T. Donc, un portrait, je dirais, de la branche à l'instant T. Qu'est-ce qui marche, l'offre, la demande, comment ça fonctionne sur cette branche-là. Donc, on a une idée globale sur les entreprises qui sont sur cette branche, leur activité, leur potentiel, les ressources humaines. Donc, vraiment un zoom sur la branche professionnelle. Après, donc, il y a un rapport d'analyse sur l'environnement de la branche, tout en travaillant avec, bien sûr, l'ensemble des études stratégiques nationales. Donc, parce que chaque branche, il est impacté par d'autres stratégies. La stratégie agricole, la stratégie, je dirais, logistique. Il y a beaucoup de stratégies qui peuvent impacter d'une manière ou d'une autre le secteur. Et donc,
l'expert devra prendre en considération ces différentes études sectorielles, bien sûr. Donc, un rapport sur l'environnement de la branche et en même temps, aller faire un benchmark auprès de minimum trois pays, voir ce secteur-là, cette branche-là, sur ces trois pays, comment il évolue, comment il est, et quelle tendance, quelle opportunité. Donc, voilà, donc, et voir éventuellement, aller vers un SWOT, bien sûr, SWOT, les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités de la branche aussi, donc, et construire une nouvelle vision de la branche. Tout à l'heure, on était sur une vision de l'entreprise. Là, on est sur une vision globale de la branche, avec bien sûr les facteurs de succès et bien sûr les recommandations de l'expert pour fixer ses orientations stratégiques. Bien sûr, derrière, il y aura un plan d'opérationnalisation de la dite stratégie en termes de recommandations sur les moyens à mettre en œuvre pour qu'on puisse, bien sûr, réussir les différentes étapes, bien sûr, et les grandes lignes de la dite stratégie. Et bien sûr, terminer cette analyse stratégique sectorielle avec un répertoire des métiers. Parce que une branche, c'est un ensemble de métiers sur lesquels aujourd'hui chacun a sa lecture et sa vision des différents métiers qui existent au niveau de la branche. Et je pense qu'à travers l'étude sectorielle, qui va nous permettre de recenser d'abord quels sont les métiers de la branche et après aller vers la définition des tâches par métier. Le processus, bien sûr, de la réalisation des tâches et bien sûr, après, sur l'ingénierie de formation, là, on va basculer vers l'ingénierie de formation sectorielle, aller vers les fiches de compétences, parce que quand on va définir au niveau de l'analyse stratégique sectorielle le référentiel métier, donc quelles sont les tâches pour l'exercice d'un métier, il faut aller dans l'ingénierie de formation pour définir les fiches de compétences. Quelles compétences pour la réalisation de telle ou telle tâche. Donc là, on reviendra sur la définition des fiches de compétences par métier, bien sûr. Toujours, on est sur les métiers. Définir les compétences nécessaires pour l'exercice d'un métier, bien sûr, c'est le premier pavé de l'ingénierie de formation sectorielle. Et après, l'élaboration des modules de formation, parce que pour avoir telle ou telle compétence, il faut un module de formation. Donc, l'acquisition de la compétence ne viendra pas du vide, mais il faut qu'il y ait un module de formation qui est spécifié par un objectif opérationnel afin, bien sûr, de traduire une compétence en fonction d'actions observables et des résultats mesurables. Et bien sûr, donc, tout ça c'est les deux premiers pavés qui sont très importants au niveau de l'ingénierie de formation sectorielle. Aller vers ce qu'on appelle un rapport d'analyse des besoins, donc, quels sont les besoins en formation. Là, on va zoomer sur les besoins de l'ensemble des ressources humaines de la fédération ou la branche professionnelle, établir un cahier de charge qui traduit les besoins en formation en projet concret de formation, et bien sûr, terminer avec un plan de formation groupé sur lequel vous allez voir les thèmes, les populations, la finalité, les objectifs, et qui est financé, bien sûr, à 100%. Donc, tout ça, ça c'est les études. Juste pour votre information, sur l'année 2020-2021, on a élaboré 7 études sectorielles pour 7 branches. Donc, transport scolaire, transport routier de marchandises, prestataire de services logistiques, transport de marchandises dangereuses, agent maritime et conteneur de navire, transport de personnel et commissionnaire du transport. Donc, les 7 études, juste pour votre information, ils ont été lancés. Et 4 analyses stratégiques, 3 ingénieurs de formation, et ils sont tous réalisés. Donc aujourd'hui, on vient de lancer 5 autres études sectorielles. Dont hier, c'était le dernier jour de dépôt des organismes de conseil de formation. Donc, ce que je peux vous dire sur ces 3 ingénieurs, parce que c'est eux qui ont un plan de formation groupé, je zoome sur le transport scolaire, transport de marchandises dangereuses et transport routier de marchandises. Ces études-là, ils ont un plan de formation groupé. Ça veut dire que l'ensemble des entreprises de Tijara 2020 peuvent s'inscrire dans ces actions de formation et bénéficier des formations gratuites financées 100%. Voilà ce que je peux vous dire sur ces études d'ingénierie de secteur. Je continue sur la présentation pour dire que ça, c'est les études qui sont financées par les GIAC.
ingénieur de formation, ingénieur analyste stratégique individuel, analyste stratégique sectoriel, ingénieur de formation individuel, ingénieur de formation sectoriel. Mais il y a ce qu'on appelle les contrats spéciaux de formation. Je ne vais pas m'attarder beaucoup, je vais juste donner quelques chiffres qui sont clés. 40%, 70%, 100%. Une action de formation non planifiée, il est financé, je dirais pour ne pas dire remboursé beaucoup plus que financé, remboursé à la hauteur de 40%. Les actions de formation non planifiées, ce sont les actions de formation conjoncturelles, c'est des actions qui sont déposées pour faire court sans passer par le GIEC. Toute action déposée à l'Office de la formation professionnelle de la promotion de travail sans passer par le GIEC, ça s'appelle une action non planifiée, financée à 40%. Pour les actions planifiées, ce sont les actions issues de l'ingénierie de formation. On a vu l'ingénierie de formation qui est le diagnostic des besoins en formation. Il y a un plan de formation validé par le GIEC égale action non planifiée. Le GIEC finance l'étude à 70%. Les actions de formation issues de l'ingénierie de formation sont financées à 70%. Voilà. Les 100%, ce sont les actions de formation groupées issues des ingénieries de formation sectorielles. Voilà, donc, les ingénieries de formation sectorielles, ils sont financés à 100%. Les actions de formation, ils sont financés à 100%. Là, on reviendra peut-être dans un autre séminaire avec plus de détails. Ce que je peux vous dire, les études qu'on va lancer 2021-2022, nous avons 14 études. Sur les 14 études, nous avons 10 analystes stratégiques sectoriels et 4 ingénieurs de formation. Et là, j'en profite pour vous dire qu'il y a une étude qui est très importante pour vous aussi, qui s'appelle la logistique urbaine. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas lancé cette étude de la logistique urbaine parce qu'on s'attendait, parce qu'on savait qu'on va travailler ensemble. Et aujourd'hui, d'ailleurs, notre présence aujourd'hui témoigne de ce partenariat. Je pense que cette étude-là ne peut se faire qu'avec nous. Donc aujourd'hui, c'est un appel qu'on lance, bien sûr, à travers cette opportunité, pour qu'on puisse s'asseoir ensemble et travailler, voir les termes de référence. C'est une opportunité pour qu'on puisse travailler ensemble sur le lancement de cette étude, principalement la logistique urbaine, mais peut-être sur d'autres études. Il y a la messagerie aussi qui est très importante, qu'on vient de lancer aussi, donc, et sur lesquelles vous pouvez bien sûr assister, que ce soit au niveau des comités de pilotage, que ce soit sur les ateliers, bien sûr, de validation, bien sûr, des différents livrables qui seront réalisés, bien sûr, par les organismes de conseil et de formation. Mais le plus important, c'est d'être dans le comité, je dirais, de pilotage de ces études-là, travailler avec, en étroite collaboration avec, bien sûr, le GIEC, pour qu'on puisse faire sortir des livrables qui seront à la hauteur, bien sûr, des aspirations des différents intervenants de votre fédération, bien sûr. Le programme de mise à niveau logistique, on en a parlé. Je voudrais juste toucher un point qui est très important, qui touche bien sûr les produits. Donc, ça, c'est le passé. Donc, on va travailler aujourd'hui sur une nouvelle version. Et je pense que c'est une opportunité pour la Fédération Tijara 2020 pour qu'ils puissent travailler d'une manière concerté, bien sûr, avec le GIEC sur des points qui sont très importants pour moi. Je cite à titre d'exemple quelques produits. On a été, soi-disant, exhaustif sur les produits, que ce soit les études qui sont financées, la performance supply chain, la performance opérationnelle, la certification ISO 9001. On était sur l'implémentation du système d'information, donc en l'occurrence d'un WMS, un TMS plutôt. On était sur les bonnes pratiques, les best practices, donc avec un atelier de 2 jours. On était sur les actions de formation, mais on aimerait bien avoir d'autres produits. Parce qu'aujourd'hui, la convention va être, bien sûr, retravaillée dans sa globalité, avec un système. Hier, on était sur un référencement des cabinets, on donnait plus latitude et la possibilité aux entreprises de s'inscrire sur la plateforme, parce qu'on a essayé quand même de mettre une plateforme au service, je dirais, des entreprises, mais peut-être à travers des ateliers de travail avec Tijara 2020, il se peut qu'on trouvera ou qu'on développera ensemble un nouveau produit, peut-être une nouvelle manière de voir les choses, peut-être
Vous allez me dire, ah oui, mais il se peut qu'on réfléchisse ensemble sur une autre démarche. Voilà, donc nous sommes prêts à toute proposition et je pense qu'on va programmer un atelier sur lequel on reviendra principalement sur le paiement logiste parce qu'il y a pas mal d'entreprises de Tijara 2020 qui ont bénéficié, je dirais, de la première version. J'aimerais bien avoir leur retour, peut-être corriger ce qu'il faut corriger, améliorer et apporter peut-être une touche de Tijara 2020 sur cette deuxième version. Voilà, donc en gros, il y avait 207 entreprises qui ont bénéficié de cette première version avec 277 demandes engagées. Demande, ce n'est pas PME parce que la PME, il peut déposer deux demandes. Une demande pour un produit de conseil et une demande pour un produit de formation. Donc, c'est pourquoi vous voyez que c'est 217 demandes pour 207 entreprises. 60 millions de dirhams qui a été bien sûr consommé sur cette première version. Et bien sûr, en face, nous avons 87 cabinets qui ont été référencés. Ça veut dire, sauf les cabinets de conseil et de formation qui sont référencés, peuvent travailler sur le programme de mise à niveau. Peut-être dans une deuxième version, on va dire, ah, on n'a pas besoin de cabinets référencés. Et peut-être, vous allez me dire, oui, mais quelles conditions de référencement? Donc, peut-être on consacrera des séances de travail sur ces référencements, sur ces conditions d'accès des PME à ce programme, sur les produits, sur les contraintes en termes de remboursement, sur l'agilité et la réactivité, je dirais, du comité de lecture, bien sûr, des rapports, sur certains cabinets qui ont démontré je dirais, leur incapacité ou peut-être sur des compétences limitées sur la rédaction de certains rapports. Donc, certainement, on va essayer de faire un tri, on va quand même dépoussiérer un petit peu cette base de données qu'on a aujourd'hui de cabinets référencés et aller vers une base un petit peu étoffée qui va essayer quand même de répondre à l'ensemble, bien sûr, des demandes des entreprises. Voilà, donc j'ai parlé tout à l'heure sur le logiciel Medfot, la BERD. Donc, on a procédé à la formation de 73 participants sur la certification ELA des professionnels logistiques, donc avec un niveau junior. Donc, EJLOG, c'est le niveau junior, c'est le premier niveau. Un programme de formation des formateurs, 23 participants, et bien sûr, un développement d'un groupe, bien sûr, d'employés qualifiés au niveau opérationnel. Là, c'était une formation sur 3 jours, avec 2 jours de cours théoriques et une journée à l'intérieur de l'entrepôt, destiné principalement aux opérationnels de la logistique. Et vous voyez les photos, c'est les participants qui ont bien sûr voulu assister à cette formation qui a été pilotée bien sûr par Logia, qui est financée par la BERD. Et bien sûr, avec des certificats qui ont été signés par l'ensemble, je dirais, des parties prenantes, en l'occurrence l'AMDL, la BERD et bien sûr le GIAC. On a parlé du GIAC au-delà de, je dirais, aujourd'hui, le GIAC il est devenu le Centre national de certification pour le Maroc. Nous sommes le troisième pays qui a fait entrer la certification ELA. Donc, c'est des certifications qui sont reconnues par le cadre européen de certification. Donc, il y a 3 niveaux. Donc, le GIAC aujourd'hui peut intervenir sur 3 pavés. Le premier pavé, c'est la certification des formateurs. Donc, nous sommes habilités à certifier les formateurs dans le domaine de la logistique selon les standards et bien sûr de l'Association européenne de la logistique. C'est une certification EutiLog. Le deuxième pavé, c'est la certification des compétences. Ça veut dire des personnes qui opèrent à l'intérieur des entreprises. Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau bien sûr junior et le niveau senior et master avec des niveaux 4, 6, 7 et c'est des niveaux qui sont reconnus par le cadre européen de certification. C'est équivaut à un master ou un MBA. Niveau 7 c'est un MBA, niveau 6 c'est un master et niveau 4 c'est un technicien spécialisé. Ça veut dire que si tu prends un certificat qui sera délivré bien sûr par le GIAC après bien sûr formation
passage plutôt d'examen, donc, parce que le GIEC, ce n'est pas un organisme de formation, mais un organisme de certification. Qui dit certification, c'est, il s'occupe de tout ce qui est, bien sûr, processus d'évaluation. Donc, il y a des instituts qui seront accrédités. C'est un processus qu'on allait démarrer début 2021, mais avec cette pandémie, on a retardé le projet. Donc, ça sera, Inch'Allah, peut-être septembre 2022, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a encore une perturbation au niveau national. Et donc, on a voulu retarder ce projet-là pour septembre 2022. Et aussi, l'accréditation des programmes type licence et master des universités et des écoles supérieures. Donc, nous avons cette possibilité d'accréditer les programmes et de délivrer aux élèves, ou bien sûr aux étudiants des universités, le certificat, un certificat qu'on appelle le CELOG, le Candidate de la junior ou bien sûr senior. Et sur ces deux, bien sûr, ces étudiants, ils devront bien sûr suivre, travailler plutôt au minimum 2 années et revenir vers un entretien avec, bien sûr, le GIEC pour qu'ils puissent avoir le full certificate qui est le EJLOG ou le SLOG. Voilà, donc en gros, c'est un projet qui nous a pris pratiquement 3 ans pour qu'on puisse être reconnu à l'échelle internationale en tant qu'organisme de certification selon les standards de l'Association européenne de la logistique. Et c'est ce chantier-là, on pourra en travailler aussi. Donc aujourd'hui aussi, donc, au-delà de la logistique, parce que et là, c'est principalement logistique à 100%, donc il y a le transport aussi à travers l'IRU, l'Organisation internationale du transport, donc, qui est basée à Genève. C'est elle qui réglemente le transport d'une manière générale, parce qu'ils travaillent pour les Nations Unies et qui sont financés principalement par les Nations Unies. Donc aujourd'hui, donc, la Fédération de transport et logistique, il a été accrédité en tant que centre de certification OVI et avec bien sûr le GIAC qui est chargé de tout ce qui est coordination, contrôle pédagogique des formations, bien sûr, qui seront dispensées bien sûr par des établissements de formation qui seront accrédités par la Fédération. Aujourd'hui, l'ISTL, c'est le premier centre de formation habilité à délivrer les programmes RE Academy, donc, et bien sûr, tout ce qui est évaluation, bien sûr, reviendra à la Fédération de transport et la logistique en collaboration avec le GIEC qui est là pour piloter cette évaluation, bien sûr, et délivrer les certificats. Aujourd'hui, on a démarré avec le CPC Manager. Donc c'est un diplôme sur l'Union européenne qui est primordial pour l'accès à la profession, je dirais, du transport. On aimerait bien faire la même chose au niveau du Maroc, mais ça viendra, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, on vient de lancer, bien sûr, ce programme, valider le contenu du programme avec l'ensemble, avec principalement l'ISTL, faire, bien sûr, la première expérience avec l'ISTL et, bien sûr, ouvrir le champ, bien sûr, pour d'autres écoles, que ce soit à Casablanca ou sur les autres régions, pour qu'ils puissent être, bien sûr, suivre cette formation. Donc, nous avons l'expérience, je dirais, de la formation professionnelle au milieu de travail. Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est un chantier sur lequel on peut travailler aussi, ce qu'on appelle la formation qui sera assurée sur 2 millions. Donc, vous voyez le formateur et le tuteur, l'institut de formation, le milieu professionnel. Et je pense que si on peut dire aujourd'hui, il y a quelque chose qui marche aujourd'hui au niveau de la France, avec cette révolution au niveau de la formation professionnelle, c'est la formation en alternance ou la formation professionnelle au milieu de travail. Donc aujourd'hui, Macron il a fait beaucoup sur cette période de pandémie. Donc l'alternance est aujourd'hui en France le moyen pour maintenir les ressources humaines et développer les compétences au service bien sûr de la profession d'une manière générale. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un chantier que le Maroc devra sur lequel le Maroc devra travailler beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et pour éviter les gaspillages en termes de formation et en termes d'investissement des entreprises sur la formation continue. Access, donc, c'est le dernier projet qu'on a travaillé avec le SAID et l'UNUDI. C'est un projet dédié à l'éco-conducteur, transport routier de marchandises.
On pourra éventuellement travailler sur un autre concept et sur lequel l'objectif, c'est de, on a revu dans sa globalité le programme de formation des conducteurs et on a mis en place un nouveau programme de formation qu'on a appelé éco-conducteur du transport routier de marchandises. Et on s'est limité à des groupes de formation qui ne dépassent pas 16 personnes. On vient de former le premier groupe. Le deuxième groupe vient d'être, bien sûr, choisi et qui sera formé, bien sûr, sur des équipements, je dirais, nouvelle génération, puisque Volvo, il a mis à la disposition, en tant que partenaire, il a mis à la disposition, bien sûr, de l'OFPPT, de tracteurs routiers avec des semi-remorques, bien sûr, une dernière génération, donc robotisé, et bien sûr un simulateur aussi qui a été mis à la disposition, bien sûr, de l'OFPPT, financé par le SAIDI, pour assurer cette formation dans de bonnes conditions. Donc, peut-être on en aura l'occasion ensemble, dans une nouvelle opportunité, de présenter davantage ce projet et travailler peut-être avec le SAIDI ou l'UNIDI sur le développement d'autres programmes de formation, puisqu'ils sont là pour accompagner les secteurs d'une manière générale, principalement ceux qui consomment plus d'énergie. Je pense que le transport aujourd'hui, voilà. Donc, un deuxième projet donc, qu'on vient de démarrer, je pense que ça ne fait pas très longtemps qu'on a lancé, on a organisé un séminaire de lancement des formations continues. Donc ça, c'est des formations continues qui sont dispensées gratuitement. Je pense que c'est une opportunité aussi pour les entreprises de Tijara 2020 pour qu'ils puissent en profiter. Nous sommes en train de finaliser les dates et certainement, donc, je vais vous envoyer les dates sur 5 formations donc, de 2 jours. Sensibilisation au développement durable, ça veut dire la gestion de l'équipe-conduite, l'organisation de la maintenance des véhicules en gestion et gestion des ateliers, l'efficacité énergétique dans nos transports selon la norme EN 162-74-4 et la prévention des risques liés au transport routier, en particulier en matière de transport de marchandises dangereuses, et la gestion de la sécurité routière selon la norme ISO 39000. Donc voilà, donc, l'USAID, bien sûr, avec nous et avec l'UNID, on a choisi 5 thématiques qui ont été validées principalement par la direction générale de l'USAID et on a travaillé sur le contenu du programme de formation. Donc aujourd'hui, on est sur définir les dates et bien sûr avec un formulaire qu'on va envoyer bien sûr à l'ensemble des partenaires pour qu'ils puissent s'inscrire. C'est une formation qui sera assurée au sein d'un hôtel financé à 100% par l'USAID. Voilà, donc on aura l'occasion, Inch'Allah, de vous envoyer tout ça et de parler en détail sur ces formations-là. Donc, voilà, donc je suis en train de vous passer en revue l'ensemble des projets sur lesquels on pourra travailler éventuellement. Donc je finirai par l'Institut de formation dans les métiers de transport et de la logistique. Ça a été dit par CRH de Paris. C'est un grand projet qu'on a aujourd'hui, qui est financé en totalité par le Millennium Challenge Corporate, et qui verra le jour, Inch'Allah. On aura la réception définitive du bâtiment, du bloc bâtiment, début d'avril. Les programmes, on est sur pratiquement les derniers livrables, je dirais, de toute l'assistance technique des programmes nécessaires pour le démarrage de l'Institut. Comme ça a été dit par Sérachid, donc on n'est pas figé, on pourra introduire n'importe quel programme. C'est votre institut, c'est un institut des professionnels, ce n'est pas un institut de l'État, mais c'est un institut qui sera géré par les professionnels, au service des professionnels. Voilà, donc ça, c'est un bijou. On aura l'occasion, Inch'Allah, de parler en détail sur ce projet-là. Et en même temps, donc, et merci pour votre attention. Donc, la parole à Sifran, éventuellement, donc, pour ne pas trop tarder sur la présentation. Merci, merci, M. Karawan, pour cette intervention qui était exhaustive et qui a sincèrement décliné l'ensemble des prestations, des savoirs et des connaissances que vous pouvez présenter et faire bénéficier donc, à l'ensemble de la communauté de Tijara 2020. Comme vous l'avez dit, je le précise, donc ce n'est qu'une première étape dans le sens où il y aurait d'autres manifestations, d'autres espaces d'échange et d'interaction, parce qu'on parle de partenariat qui est durable et je pense qu'une synergie, qu'une complémentarité donc, est envisageable, surtout sur un secteur qui est le commerce et la distribution,
où la formation joue un rôle important, prépondérant et stratégique, et où la logistique aussi est déterminante dans ce qu'on appelle les coûts de facteurs. J'ai eu quelques questions, parce que je sais qu'on va planifier d'autres, certainement qui vont être beaucoup plus spécifiques, mais qui sont relatives à l'éligibilité des entreprises. Comment vous allez élire ces entreprises qui pourraient bénéficier de l'ensemble de vos prestations? Et un deuxième sujet, est-ce qu'il y a des formations spécifiquement sur ce qu'on appelle la logistique, ou est-ce qu'elles peuvent couvrir d'autres périmètres? Et comme je l'ai dit, je le répète encore, donc il y aura d'autres séances et votre présentation de toutes les façons sera dispatchée, distribuée à l'ensemble des membres de Tijara pour que vous puissiez aussi rentrer avec eux dans des logiques de B2B pour personnaliser davantage les interactions, les interventions. Donc voilà pour le moment les deux questions qui me sont parvenues. Merci beaucoup. Merci Simone. Effectivement, vous avez parlé de l'éligibilité. Je pense que le jour où on a signé la convention, d'ailleurs, on a inscrit la notion et je pense qu'on a échangé ensemble, toi et moi, sur je dirais, le contenu de la convention sur lequel on a introduit pas mal de concepts, principalement, je dirais, l'accompagnement de ces entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de signer la convention, vous êtes déjà éligible aujourd'hui sur ces restes, bien sûr, quelques formalités administratives et bien sûr par produit. Donc, vous allez me dire, oui, je veux bénéficier d'une ingénierie de formation, mais je ne paye pas ma CNSS. Alors, je peux vous dire, oui, même s'il y a un contrat qui nous dit Tijara et le GIAC, attention, vous devez payer votre CNSS. Pour aller plus loin sur ma réponse, l'éligibilité, il est, je dirais, par pavé. Donc, si on prend, par exemple, le système GIAC et le contrat spécial de formation, il y a certaines conditions pour que les entreprises puissent être éligibles. Sur ça, généralement, comme je l'ai expliqué, l'entreprise devra payer sa CNSS. Donc, ça, c'est primordial. Toutes les entreprises qui payent leur CNSS ont le droit, je le dis, je le répète, je n'ai pas cessé de le dire, c'est un droit. C'est un droit pour les entreprises. Donc, sur ce volet-là, on ne peut pas s'occuper. Sur les volets, par exemple, si on prend le dernier projet qu'on travaille aujourd'hui avec le Saïdi et le Nudi, ça, Tijara, vous êtes un membre aujourd'hui de la Fédération du GIAC Transport et Logistique, vous avez le droit, l'ensemble des entreprises adhérentes ont le droit de bénéficier de cette formation. Sur le programme PME Logis aussi, vous avez le droit. Vous avez le droit de bénéficier, à condition, bien sûr, il y a certaines conditions qui sont exigées principalement par le ministère des Finances. Une entreprise qui ne paie pas, je dirais, ses impôts ne peut pas parce qu'il y a de l'argent de l'État. Donc, il y a certaines conditions, mais que je trouve, moi, personnellement, logiques. Quelqu'un qui ne paye pas ses impôts, l'État vous dit aujourd'hui, ces prestations qui sont dispensées dans le cadre du programme PME Logis sont destinées principalement pour des entreprises qui répondent à certaines conditions. Premièrement, qui paient leur CNSS, qui paient leurs impôts et qui sont dans une fourchette, parce qu'on parle de la PME inférieure à 200 millions d'euros. La deuxième version, il y a tout un débat sur la deuxième version. Là, on va certainement revoir le plafond des 200 millions du dirham de chiffre d'affaires par entreprise parce qu'il y a énormément d'entreprises qui veulent, les grandes entreprises principalement, qui veulent adhérer bien sûr à ce programme-là puisque ce programme, c'est le fruit d'une stratégie nationale logistique qui parle de la réduction du coût logistique. Et quand on parle de l'externalisation des prestations logistiques, c'est principalement les grandes entreprises qui peuvent s'inscrire dans cette logique d'externalisation de la logistique qui va certainement réduire le coût. Donc, d'où l'idée de dire que le programme demain, ça peut ne pas être PME Logis, ça peut être entreprise quelque chose ou peut-être une autre appellation, on trouvera l'appellation convenable, puisqu'on certainement, donc, il y aura de la place pour les grandes entreprises. Voilà donc, PME Logis, Access, il y a plusieurs produits que Tijara 2020, toutes les entreprises et toutes les compétences de Tijara 2020 peuvent bénéficier. Sur les formations logistiques, vous l'avez bien souligné, donc, nous avons une multitude de formations, donc, des formations certifiantes, des formations qualifiantes, mais aussi des formations diplômantes et des formations courte durée. Le GIAC, il est là pour vous conseiller, pour vous orienter vers des formations, pour mettre à votre disposition des référentiels. Parce qu'aujourd'hui, il y a des études qui ont été réalisées
On a des référentiels, on a des fiches qu'on pourra partager avec vous, bien sûr, éventuellement. Et éventuellement, les entreprises peuvent en servir. Parce que, in fine, ces référentiels, dans 3-4 ans, le métier évolue, les besoins évoluent, donc certainement, ils ne vont servir à rien. Donc, on sera, bien sûr, contraint de les actualiser, de les mettre à jour pour qu'ils puissent répondre, bien sûr, aux contraintes et aux demandes du marché. Donc, les formations, ce n'est pas ça qui manque aujourd'hui. Charge à nous de s'organiser ensemble pour qu'on puisse vous faire bénéficier principalement de ce qu'on a et de construire ensemble, parce que vous l'avez certainement constaté, parce que vous étiez au niveau de la CGM. Aujourd'hui, je pense que nous sommes principalement l'unique GIAC qui a sorti de cette sphère, je dirais, classique, ingénierie, analyse, pour aller vers d'autres produits et principalement pour servir la profession, parce qu'on est au service des entreprises. Et qui dit service des entreprises, aller fouiller là où l'argent existe, là où on pourra apporter notre savoir et notre expertise pour qu'on puisse rehausser, je dirais, le niveau de compétence des ressources humaines et en même temps tirer les entreprises vers l'euro. Voilà ce que je peux vous dire sur ces deux questions. Et merci, Simone, pour ces deux questions pertinentes. Merci, merci infiniment de ces précisions qui certainement apportaient plus de clarté. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes au niveau de la Fédération sur le sujet formation et l'accompagnement spécifique que vous pouvez apporter. Donc, à Tijara, je suis sûr et certain que Jacques Translac, de par votre implication, de par la qualité, la pertinence et la précision de vos propos, qu'il y aurait beaucoup de chantiers. Comme vous l'avez dit, ce n'est qu'une première étape, donc il y en aura d'autres qu'on va programmer ensemble pour que nous puissions aller de l'avant et apporter de la valeur ajoutée. Je tiens à vous remercier, M. Karawan, pour cette implication et aussi le président Rachid Tahari pour son implication. Et il était sincèrement un des premiers à avoir répondu favorablement pour animer cette conférence. Je tiens en votre nom aussi à remercier les membres de Tijara qui sont nombreux à suivre cet événement. Je voudrais juste vous demander de nous envoyer cette présentation pour qu'on en mette à disposition. Et bien entendu, il y aura d'autres occasions. On va échanger d'une manière… attendez, je crois qu'il y a une question. Les critères des formateurs. J'ai une question qui vient d'arriver à l'instant de Mohamed Ramsawi. Oui. Bonjour. C'est quoi les critères des formateurs? Je pense qu'on parle de la capacité des formateurs et bien sûr de leur capacité en termes d'apport de contenu pédagogique. Vous parlez des critères de formateurs. Il parle de c'est ça exactement. C'est la question. J'ai transmis la question telle qu'elle, dans son expression exacte. Voilà. Bonjour. Voilà. C'est quoi les critères des formateurs? C'est-à-dire les compétences peut-être des formateurs. Non, mais il parle de quel formateur? Parce qu'aujourd'hui, il y a… En général. Enfin, tout en restant, bien sûr, dans les domaines qu'on a abordés, hein, donc pour ne pas sortir sur les… Parce qu'aujourd'hui, si on parle des formateurs de l'Institut de formation qui va voir le jour, ça, c'est des critères qui sont définis dans les fiches de poste, bien sûr, relatifs à chaque métier. Donc, chaque métier, bien sûr, donc il y a des critères, que ce soit… Je dirais des compétences des compétences liées bien sûr au métier, principalement l'expérience professionnelle, je dirais les acquis en termes comment on appelle ça, de diplôme, donc c'est des bacs plus 5 et voilà. Donc chaque métier il a des critères, donc et ce n'est pas des critères standards. Donc on va dire un formateur sur l'éco-conduite, c'est pas un bac plus 5, c'est un niveau bac. Donc les critères changent d'un formateur à un autre. Donc ça, c'est pour les instituts de formation. Pour les formateurs qui vont animer les actions de formation du LSAID, c'est des experts qui sont rattachés et qui seront mobilisés par l'UNID. Parce que l'UNID, il a une base de données d'experts qui vont être mobilisés par l'UNID pour assurer les formations inscrites dans ce que j'ai exposé, projet Access. Pour les formateurs qui vont animer des actions de formation continue au sein des entreprises, là, c'est l'entreprise qui choisit les formateurs. Le GIEC n'intervient pas sur ce volet-là. Donc, c'est quand vous allez faire un plan de formation, bien sûr, avec accompagné… C'est exactement ça la question. C'est les plans de formation qui vont déterminer, voilà. Je suppose, et même la remboursabilité, bien sûr. Voilà, je m'explique sur ce point parce que c'est très important. Donc, quand vous allez faire une ingénierie de formation avec, bien sûr, un cabinet de conseil de formation,
certainement, il va faire sortir des actions de formation. Sur les actions de formation, il va certainement vous définir ce qu'on appelle les objectifs opérationnels d'une action de formation. Quels sont les objectifs? Quel est le contenu plus ou moins sommaire de l'action de formation? Quelle est la cible, bien sûr, de cette action de formation? Quel est le profil, je dirais, de l'animateur, pour ne pas dire formateur, de l'animateur de cette action de formation? Et quelle est la durée plus ou moins? Est-ce que c'est une journée, c'est deux jours, c'est trois jours? Et peut-être même une fourchette, je dirais, du prix de l'action de formation. Après, charge à l'entreprise, je le dis, à l'entreprise, soit de continuer avec l'organisme qui a fait l'ingénierie de formation, parce que certainement, il va vous dire, bon, moi, je connais des formateurs qui peuvent vous animer une action de formation, la prise de parole en public, par exemple. Moi, je connais quelqu'un qui maîtrise, cette thématique, et qui pourra intervenir. Vous allez dire, ah non, s'il vous plaît, moi, je connais Simon Erfram qui peut animer aisément et facilement cette action de formation. Voilà son cabinet. C'est un exemple, c'est juste un exemple, c'est pas vrai. Pour c'est un exemple. Voilà, donc, ou bien vous allez dire, bon, ou là, vous allez faire confiance au cabinet pour dire que, voilà, c'est quelqu'un, oui, je vous fais confiance, allez, proposez-moi un formateur qui va animer. Parce qu'il y a une différence entre l'organisme de formation et le formateur. Donc, il faut distinguer. Le remboursement, bien sûr. Donc, quand l'action de formation sera réalisée par le cabinet de conseil, l'entreprise paye l'organisme de conseil et après, il va, bien sûr, prendre une facture derrière. La facture plus le justificatif de paiement plus un extrait du compte bancaire. Bien sûr, avec bien sûr la fiche d'évaluation, la liste de présence, toute la documentation administrative, ça on reviendra sur une rencontre sur laquelle je peux vous donner le dossier financier, va être bien sûr déposé à l'OFPPT pour un remboursement, si c'est planifié 70%, si c'est non planifié 40%. Le non planifié, c'est facile, vous n'avez pas à passer par le GIA. C'est quatre documents, après on verra ça, quatre documents qu'il faut déposer cinq jours avant le démarrage de l'action de formation. Et bien sûr, vous allez faire la formation et vous allez faire un dossier financier déposé auprès de l'OFPPT pour qu'il puisse vous rembourser les 40%. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à la question ou pas? Et bien sûr, pour témoigner justement de la pertinence des propos, c'est que vous avez... ce qu'on appelle une félicitation de la part de la personne qui a posé la question, c'est Mohamed Rasmawi, que je remercie d'ailleurs de son implication et qui nous écrit bravo pour la qualité de cette présentation, les éclaircissements et les informations. Et sur ce, je voudrais vous remercier encore une fois, que ce soit vous, M. Karawan, ou le président Rachid Tari, on vous promettons une rencontre dans les plus brefs délais pour que nous puissions aller encore plus en profondeur sur ce sujet-là qui est très important et passionnant pour Etijara et pour le GIAC. Merci encore une fois, excellente fin de journée et à très bientôt. Merci Simon. Merci beaucoup. À l'ensemble des participants. Donc, nous sommes prêts à votre disposition, bien sûr, pour aller plus loin sur chaque pavé de la présentation. Et merci Simon pour votre animation. Merci infiniment à tout le monde. Merci beaucoup Simon. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à cette visioconférence. Je remercie aussi de mon côté Sekarawan qui est toujours pertinent et très explicite sur tout ce qu'il présente. Et je pense qu'on aura l'occasion de rentrer un peu plus beaucoup plus dans le technique par rapport à toutes les avantages de toutes ces actions pour Tijara 2020. Merci infiniment. C'est tout à fait normal, c'est Rachid, un excellent président, un excellent directeur. C'est justement la présentation à laquelle nous avons assisté aujourd'hui. C'est l'illustration de la bonne synergie. Sur ce, excellente fin de journée. Merci. Au plaisir.